Bénissons le nom de l'Éternel encore ce matin, magnifions son nom pour cette grâce qu'il nous a donnée encore de voir un autre jour. Nous célébrons ton nom pour ce nouveau mois que tu nous as donné. Merci Père Éternel, reçois la gloire. Nous te disons merci. Mon âme te bénit, Père Éternel. Mon esprit te loue, Dieu de gloire. Reçois toute la louange, toute l'adoration au nom tout-puissant de Jésus. Je vous souhaite encore la bienvenue dans cette chaîne Ubani TV pour un autre numéro de notre programme. Gloire à Dieu. Nous nous excusons de la diffusion qui vient tout le temps tard, mais je pense que cette fois-ci, vous pourrez l'avoir à l'heure. Alléluia. Ce matin, j'aimerais que nous ouvrions nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 26, versets 36 à 39. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et priant ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. » Alléluia. Avant de commencer ce message, je voudrais faire une annonce. Je voudrais que tous les peuples, tous ceux qui pensent vraiment avoir le fardeau de Dieu dans le cœur, commencent à prier dans les différentes églises de la puissance de la guérison. C'est ce que l'Esprit nous demande de faire ces temps-ci, la puissance de la guérison. Nous entrons dans des moments qui seront les plus difficiles. Et dans chaque église, qu'il y ait des intercesseurs pour intercéder pour la puissance de guérison dans l'église. Pour la puissance de guérison dans l'église. C'est ce que l'Esprit nous instruit en ces temps-ci. Tout chrétien, partout où tu te trouveras, commence à prier pour cette grâce, pour cette onction, pour cette puissance de la guérison. Au nom de Jésus. Amen. Mon message ce matin alors porte sur la prière. Quelque chose que les gens devaient faire tout le temps. Une chose que les gens devaient faire tout le temps, mais que les gens ne font que de temps en temps. Et certaines personnes même ne trouvent pas nécessaire de le faire. Voici Jésus qui était obligé de prier. Il a senti une urgence en lui-même de supplier, d'intercéder. Et rien ne pouvait le retenir en ce moment. Il était avec ses disciples, mais en ce moment, il s'est détaché d'eux. Il a décidé de se séparer d'eux. Et même s'il a choisi trois parmi eux, il n'a pas prié avec eux. Il s'est séparé de ces trois. C'était pour montrer que l'affaire était personnelle. C'était une intercession personnelle. Chaque fois qu'il y aura cette urgence dans ton esprit de prier, chaque fois qu'il y aura cette urgence dans ton esprit de prier, n'hésite pas à le faire. Ne tarde pas à le faire. Sépare-toi des hommes. Détache-toi des hommes, détache-toi de toute forme de distraction. Si l'Esprit de Dieu met dans ton cœur l'urgence de prier, sépare-toi des hommes sans hésiter. Jésus s'est séparé et il a prié. Jésus est parti immédiatement. Le Fils de l'homme a senti l'urgence de prier, le Fils de Dieu. Son âme était triste jusqu'à la mort. Combien de fois ton âme est triste et que tu n'as pas trouvé nécessaire de prier? Imagine Jésus, celui qui a appris aux hommes à prier, celui qui a appris aux hommes à intercéder. Celui qui dit, celui qui intercédera pour nous, celui qui est le médiateur, a trouvé nécessaire aussi de prier. Parce qu'il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il y a beaucoup d'âmes tristes jusqu'à la mort et que ces âmes-là n'ont pas trouvé nécessaire de prier. Il a senti l'urgence d'intercéder devant Dieu. Il se jeta, verset 39 dit, il se jeta sur sa face. Peuple de Dieu, ce matin, ce n'est pas les mots qui sont sortis de la bouche de Jésus qui m'ont impressionné. Ce n'est pas le point de prière qui m'a attiré, mais c'est le geste.
la posture, la position de Jésus dans la prière. C'est ce qui m'a attiré. Et c'est cette position que j'aimerais exhorter dans quelques minutes. La posture du Fils de l'homme dans la prière, la posture du Fils de Dieu dans la prière. Il se jeta sur sa face. Il n'a pas vu cela comme une honte devant ses subordonnés. Il s'est jeté sur sa face. Il ne s'est pas vu comme étant le Fils de Dieu. Il s'est jeté sur sa face. Il ne s'est pas vu comme étant le médiateur, ni l'intercesseur. Il ne s'est pas vu comme celui qui vit pour intercéder pour les hommes. Mais il s'est jeté sur sa face. Il avait tout autour de lui ses disciples. Il avait tout autour de lui ses subordonnés. Mais cela ne lui a pas empêché de se jeter sur sa face. Le seul médiateur, celui qui est le médiateur des hommes, celui qui a appris les hommes à prier, celui qui a appris aux hommes de se rapprocher de Dieu, a trouvé aussi nécessaire de prier. Et ce n'est pas ses paroles de prière qui doivent nous impressionner, mais sa position dans la prière qui doivent nous impressionner. Il s'est jeté sur sa face. Il n'était pas debout. Il s'est jeté sur sa face. Il n'était pas à genoux devant le trône de grâce ou le trône de miséricorde, mais il s'est jeté sur sa face. Qu'est-ce que cela veut dire? L'affaire est sérieuse. Car son âme était triste jusqu'à la mort. L'affaire avait besoin d'une attention particulière. Et c'est aussi une chose urgente, une attention urgente et particulière. La position nous l'indique. La position qu'il a prise par rapport à ses prières nous l'indique. Même si les paroles ne nous touchent pas, mais la position, elle touche le cœur de Dieu. Jésus s'est jeté sur sa face. Il s'est jeté sur sa face. Ce ne sont pas des prières comme celles que nous faisons à l'église, la main dans la poche et nous prions. Ce ne sont pas des prières que nous passons tout le temps à réciter, des choses qu'on nous a demandé de dire ou les choses qu'on nous a appris de dire. Comment pourrons-nous nous apprendre à prier? Comment un homme pourrait-il nous apprendre à prier alors qu'il ne sait même pas ce que nous sentons dans notre cœur? Les hommes apprennent à prier quand ils ont le besoin. Les hommes ont quoi à dire devant Dieu quand ils ont un besoin? Jésus n'a pas créé, il n'a pas inventé cette prière. Les paroles, c'était exactement ce qu'il sentait dans son cœur. Nous avons à l'église des gens qui prient avec le téléphone à la main, prêts à envoyer un texto ou prêts à répondre à un texto pendant qu'ils sont en train de parler avec Dieu. Pendant qu'ils parlent avec Dieu, ils ont le téléphone dans les mains. Quand les hommes gardent leur intégrité dans la prière, c'est parce que l'affaire n'a pas besoin de prière. Si le problème de l'homme, si l'homme peut venir à la prière et toujours garder son intégrité, c'est que ce qu'il est tenté de demander à Dieu ne nécessite pas la prière. Si les hommes gardent encore leur dignité devant la face de Dieu, c'est qu'eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de Dieu. Si Jésus n'a pas pu garder son intégrité et sa dignité devant la face de l'Éternel, c'est qu'il avait besoin de Dieu. Regarde la grandeur de Jésus, la divinité de Jésus, la plénitude de l'Esprit de Dieu en Jésus. Mais il s'est jeté sur sa face pour prier, pour implorer les cieux. Les hommes peuvent toujours garder leur dignité, ils peuvent garder leur intégrité devant la face de l'Éternel, parce que ce qu'ils sont venus demander à l'Éternel n'est pas quelque chose de sérieux. La prière est un moment d'abandon et d'humilité. C'est un moment, ce n'est pas un moment de se montrer qui nous sommes. Ce n'est pas un moment de démontrer notre classe sociale, notre apparence sociale. C'est un moment d'humilité et d'abandon complet à Dieu. Celui qui ne peut pas venir à la prière et s'abandonner complètement à Dieu, se jeter sur sa face, il n'a pas de point de prière. Il n'a pas de point de prière. Ce n'est pas un moment de show. Jésus, dans sa prière, n'était pas là à chercher quoi dire. Il avait déjà quoi dire. Et ce qu'il avait à dire et ce qu'il sentait dans son âme, mon âme est triste jusqu'à la mort. Les hommes n'ont pas de point de prière parce qu'ils n'ont pas, ils ne sentent pas l'urgence de prière. Quand tu sentiras l'urgence de prière, personne ne te dictera ce que tu dois dire. Personne ne t'apprendra quoi dire. David était sous la menace de son fils. Et il a appris qu'un de ses conseillers, Ahithophel, a rejoint son fils. La prière de David était courte, mais elle était sincère. Ô Éternel, rends le conseil de Ahithophel, que le conseil d'Ahithophel soit nul. Ézéchias était dans une angoisse. La prière était de, ô Éternel, je suis dans l'angoisse, sauve-moi. Les hommes manquent de quoi dire.
Les hommes sont en train, quand les hommes cherchent des vocabulaires, ou quand ils cherchent un grand vocabulaire, ou ils cherchent une grammaire à appliquer pour parler, c'est parce qu'ils n'ont pas de problème. Dieu n'a pas besoin de ton vocabulaire dans la prière. Il a besoin de ton cœur. C'est ton désir qui est ton vocabulaire dans la prière. C'est les hommes n'ont pas de sujet. Quand ils n'ont pas de sujet de prière, ils n'ont pas de parole. Jésus s'est jeté sur sa face. Son cœur ou son âme était triste jusqu'à la mort. La prière est une urgence. Et quand tu sens cette urgence, tu sais comment prier. Elle est une urgence. Et si elle n'est pas une urgence dans ta vie, tu ne sauras pas quoi dire à Dieu. Tu n'as pas de parole. Tu ne pourras pas t'exprimer. On ne peut pas te dicter ta prière. On ne peut pas te dicter ce que tu dois dire. C'est ton problème. C'est ta situation, c'est ton urgence qui te dicte ce que tu dois dire. Jésus a dit, si tu peux éloigner cette coupe de moi. Il y a beaucoup de coupes que les gens sont en train de boire qu'ils auraient pu s'éloigner d'eux. Il y a des choses qui sont en train de détruire les hommes, qui devaient être des urgences que nous devons amener devant la face de l'Éternel, mais que nous n'avons pas fait. Le Fils de l'homme s'est jeté sur sa face. Je veux que tu remarques cette position. Je n'ai pas dit que c'est la position la plus abordable pour la prière, mais que le Fils de Dieu lui-même se jette sur sa face. Cela est une grande leçon pour l'humanité. Que chaque situation qui nous arrive doit nous pousser à l'Éternel. Et la position que l'homme assume dans la prière est une indication de l'amertume qu'il a dans le cœur. Si tu peux prier les mains dans les poches, c'est parce que tu es à l'aise. Et la Bible a dit malheur à ceux qui sont à l'aise à Sion. Si tu peux encore prier et avoir ton téléphone, vérifier les messages que tu reçois et tenter d'envoyer les messages pendant que tu pries, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas d'urgence dans ton cœur. La prière est une urgence. Et si tu sens cette urgence, peuple de Dieu, tu sauras comment prier. Ne prie jamais s'il n'y a pas d'urgence dans ton cœur, sinon ce sera un jeu. Ne prie jamais si tu n'as pas d'urgence dans ton cœur, sinon ce sera jouer avec Dieu. La prière est une communication avec Dieu. Et donc nous devons la prendre au sérieux. Comme le Christ l'a pris au sérieux. Dans le jardin de Gethsemane. Gethsemane, c'est un mot hébreu qui veut dire le pressoir de l'huile. Jésus est parti là-bas presser cette onction. Il est parti à Gethsemane et il a pressé là-bas. Je pense que sa mort aurait été plus pénible que ce qu'il a été. Ou il ne serait pas resté s'il n'était pas passé par Gethsemane. Il y a des douleurs, il y a des choses qui pèsent dans nos cœurs. Cela ne doit pas nous pousser à pleurer, mais à prier. Si tu n'as pas une urgence dans ton cœur, tu ne seras jamais humble pour prier. Les hommes qui ne sont pas humbles dans la prière, ce sont les hommes qui n'ont pas de problème. Regarde dans la Bible les hommes qui ont prié. Regarde les hommes qui ont invoqué le nom de l'Éternel. Regarde le sérieux avec lequel ils ont invoqué le nom de l'Éternel. Et suis-le. La Bible a dit, nous devons être des imitateurs. Nous devons être imitateurs. Si je devais imiter quelqu'un dans la prière, c'est celui qui m'a appris la prière que je devais imiter, le Christ. Il s'est jeté sur sa face. Devant ses subordonnés. Devant ceux à qui il a appris à prier. Devant les hommes qu'il a fait des miracles, des choses extraordinaires. Il n'a pas eu honte de se rabaisser devant eux pour implorer la face de l'Éternel parce que lui aussi il est dans des difficultés. Il a tiré ces hommes-là sans des difficultés, sans la prière. Ces hommes-là l'ont vu de faire des miracles sans des prières. Ils ont vu seulement faire une commande, que tes yeux soient ouverts, lève-toi et marche. Mais aujourd'hui ces mêmes hommes le voient jeter sa face sur terre pour prier. Il n'a pas honte de cela. Tu n'as aucune intégrité. À préserver devant la face de l'Éternel ou devant la face d'une situation. Si tu n'avais une intégrité, c'est que tu n'auras pas ce problème. Si tu avais une humilité à garder, c'est que tu n'aurais pas ce problème. Mais quand les hommes ont des problèmes, c'est que leur intégrité et leur humilité est en jeu. Donc, amenons-le devant l'Éternel. Le Fils de Dieu s'est jeté sur sa face. Pendant que tu écoutes ce message, une seule parole doit résonner dans ta tête. Le Fils de Dieu s'est jeté sur sa face pour prier. Celui qui donne la commande aux hommes et la chose s'accomplit. Celui qui dit et la chose se fait n'a pas besoin cette fois-ci de dire. Il a trouvé nécessaire de prier. Et comment? En se jetant sur sa face devant les disciples. Il a quitté les autres. Il a pris trois
Mais quand il est venu avec les trois, il a trouvé encore nécessaire que cette affaire est personnelle. Cette affaire est personnelle. Et la démonstration que cette affaire est personnelle, c'est que les trois qu'il a amenés se sont endormis. Ils se sont endormis parce que ce n'était pas leur intercession. Les hommes dorment quand ils n'ont pas de problème. Et donc, refuse de dormir si tu as vraiment un problème. Parce que quand les hommes dorment, le diable augmente leur problème. Le fils de l'homme, le fils de Dieu, il s'est jeté sur sa face. Quand les hommes auront un fardeau, ils apprendront à prier de cette manière. Quand les hommes ne considéreront pas leur intégrité ou leur humilité, ils prieront de cette manière. L'heure est à la prière. Il y a un grand fardeau dans le cœur des hommes. Il y a des grands troubles dans le cœur des hommes. Peuple de Dieu, je vous exhorte ce matin à nous jeter sur nos faces. Quand j'ai commencé cette émission, je vous avais dit que nous devons commencer à prier pour la puissance de la guérison dans nos différentes églises. Nous allons voir des choses que nous n'avons pas espéré voir pendant que cette maladie a commencé. Nous allons entrer dans cette phase. Et là où la présence de Dieu ne sera pas, là où la puissance de Dieu pour la guérison ne sera pas, ce sera un grand problème. L'Esprit m'a demandé de faire cette annonce que les hommes et les femmes doivent commencer à intercéder pour la puissance de la guérison dans leurs différentes églises. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ma prière ce matin pour toi, c'est que Dieu te donne l'esprit de grâce et de supplication. Ma prière pour toi ce matin, c'est que partout où tu seras, que tu aies l'urgence de prier, que la prière ne soit pas quelque chose que tu feras de temps en temps, mais que tu feras tout le temps. Parce que la prière, la Bible a dit, nous devons prier en tout temps. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il te fasse persévérer dans la prière, par le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Thank you.